כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחלנו לי המקור חוכמה. רבנו רבי נחמן, בן פגה ושמחה, נחמן מומן, זכותו יגן עלינו. ועל כל ישראל, אמן. ערב טוב עטוס, בעזרת השם, בסדר ישמעיה. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Sukkot, de Shmini Atzeret, de Simcha Torah, que vous avez dansé avec la Torah, que vous avez profité de chaque moment avec Kadosh Baruch Hu, et surtout que vous avez pris suffisamment d'énergie pour l'année qui vient. Parce que, comme on le sait, ce Shabbat, on a recommencé la Torah. Baruch Hashem. Et la Torah, c'est... On croit que c'est un éternel recommencement, mais en réalité, c'est tout le contraire. Le Rav Pinkus, un jour, il était en Eretz Israël. Il arrivait des États-Unis à l'aéroport. Et pour rentrer chez lui, il a pris un taxi. Et quand il est rentré dans le taxi, il a vu que le chauffeur du taxi, il était un peu... Il n'était pas très content, il était un peu énervé, un peu matzben. Alors il s'est intéressé, comme tout bon juif qu'il était, à ce qui lui le préoccupait. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et alors le chauffeur du taxi, il a dit, j'en ai marre de ces chadashot. Chadashot en hébreu, c'est le journal. C'est tous les jours la même chose. Alors, il lui a dit, tu vois, ça c'est la différence entre moi et toi. Alors, il lui a dit, comment ça entre moi et vous? Il lui a dit, moi, j'ai le même livre depuis que je suis né pratiquement. Et chaque jour, il est différent. Et toi, tu achètes tous les jours un nouveau livre, mais tous les jours, il est le même. Ça, c'est... La vérité, c'est une vérité lorsque la personne qui lit ce livre, elle change, elle évolue, elle grandit. Et pourquoi si c'est pas un éternel recommencement la Torah? Parce que la Torah c'est infini, elle s'adapte à la personne qui l'ouvre, à la personne qui s'y intéresse. Parce que la Torah ce n'est que des noms d'Hachem. Et ce n'est qu'un dévoilement, puisque c'est écrit que depuis que Hachem il a caché le Or Haganouz, la première lumière créatrice, la première lumière dévoilée de lui dans le monde. Alors, depuis ce moment-là, c'est caché dans la Torah, entre autres. C'est caché beaucoup dans la Torah. Pour qui? Pour les tzadikim. C'est qui les tzadikim? C'est ceux qui cherchent la volonté d'Hachem, sincèrement, les Shem Shamaï, pour lui, et pas pour eux-mêmes. Et alors, pour cela, la Torah s'ouvre à eux. Chaque lettre de la Torah, chaque mot de la Torah, elle s'ouvre à eux et se dévoile le Créateur lui-même. Hashem Yitbarach, Shtabar Shemolad. À chacun de ceux qui ont sincèrement envie de le connaître. Quel que soit le livre de Torah, quel que soit le niveau de la personne qui s'y intéresse, le plus important ou le seul critère, c'est la sincérité de l'approche qui est présentée. Est-ce que la personne elle est sincère et elle fait les choses les Shem Shamaim? Pour vraiment pour Hachem, pour le connaître, pour le servir, pour mieux le servir, pour mieux le connaître, pour mieux faire sa volonté, pour mieux le rendre heureux, entre guillemets, alors la Torah elle s'ouvre à lui. Et avec elle, tous les trésors qui dépassent de loin ce monde, tous les grands en Torah ont été capables de faire des miracles, de voir d'un bout à l'autre du monde, de répondre à des questions de science, de médecine, de philosophie, de tous les chokhmot du monde. Pourquoi? Parce que la Torah, ça a été créé avant le monde. Le Zohar est dit, Hashem istakel ba Torah ve bara alma. Hashem il a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est donc que la Torah est antérieure au monde. Qu'est-ce qui est antérieur à la Torah? La Tshuva. La Tshuva, c'est encore antérieur à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a mis des règles. Et normalement, si quelqu'un ne respecte pas ces règles, c'est fini pour lui. Donc Hachem, il a dû créer la Tshuva pour permettre que l'homme puisse vivre avec la Torah sans mourir. Quand il la transgresse, l'Oalénon. Il a encore le temps de faire Tshuva et de pouvoir réparer ses erreurs
et de respecter. C'est pour ça qu'il est bon pour un homme qui monte à la Torah, toujours avant de monter, d'embrasser le Sefer Torah et de demander pardon au Sefer Torah. De dire pardon de ne pas avoir respecté totalement tout ce qui est écrit en toi. Et ensuite, seulement, il peut regarder là où il va lire la Torah. Et il peut commencer à lire la Torah. Parce que la Torah, c'est quelque chose qui se respecte. Pas venir transgresser la Torah et venir comme ça parce qu'on a acheté une alia et monter à la Torah comme si rien n'était. Pas comme ça, il y a une vérité dans la Torah. Comment on sait qu'il y a une vérité dans la Torah hein? Parce que c'est écrit « Bereshit bara Elohim ». Bereshit au commencement, bara a créé, Elohim, Dieu. Si vous prenez les Sophet Tevot de ces trois mots-là, Bereshit, Taf, bara, Aleph, Elohim même. Ça fait le mot Emet, vérité. La Torah, c'est le sceau de vérité de ce monde. C'est ça la Torah, c'est le sceau de la vérité. Ce monde n'est que mensonge. Et dans le mensonge, il y a une petite lumière, une lumière de vérité. Cette lumière de vérité, c'est la Torah, et tous ceux qui la portent véritablement et sincèrement. Parce que malheureusement, comme toute chose de valeur, il y en a qui ne la portent pas de façon vraie. Mais les vrais tzadikim, toutes les générations accumulées, et même jusqu'à aujourd'hui, qui étudient la Torah les Shem Shamaim, pas pour leur kavod, Ras Shalom, sinon ce n'est pas des tzadikim de toute façon, qui cherchent la volonté de Dieu et à transmettre la volonté et l'amour de Dieu à tout le peuple d'Israël, eux, pas seulement qu'ils ont accès à cette lumière, mais leur propre Torah qu'ils dévoient dans le monde fait partie de cette lumière. Leur chidouche de Torah, le Rachaim HaKadosh, quand on ouvre un sefer de Rachaim HaKadosh, on trouve Dieu. Quand on ouvre l'Écouté Moran, on trouve Dieu. Pourquoi ? Ça n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu, au Har Sinai. Tu peux dire, ça ne fait pas partie de la Torah, c'est un complément, c'est un commentaire. Non. Hachem, il a pas de temps. Chaque fois qu'un tzaddik sincère et véritable dévoile quelque chose, parce qu'il est sincère et véritable, ça devient de la Torah. Et ça a le même statut que ce qu'on a reçu au Har Sinai. Encore plus, ça dévoile encore plus, de façon encore plus dévoilée Hachem. Parce qu'il y a eu tout le temps qui est passé, le travail des tzaddikim qui ont fait leur travail. Bereshit bara Elohim chotamo emet, dit Rabbi Nathan. Le tampon d'Hachem, c'est la vérité. Pourquoi ? Alors, on va répéter quelque chose qu'on a souvent répété, mais puisqu'on est des gens nouveaux après les fêtes, alors même si on l'a déjà dit, on n'était pas les mêmes personnes. Donc, on ne va pas le comprendre de la même façon et on ne va pas l'utiliser dans notre vie de la même façon. Comment est-ce que Hachem, il a créé le monde ? Très simplement, Hachem, dit Rabbi Nachman, pas qu'on comprenne quoi que ce soit sur Dieu véritablement, mais ce qu'il veut qu'on comprenne, on comprend et c'est déjà énorme pour nous. Hachem, il voulait, dit Rabbi Nachman, partager du tov, du bien qu'il a. Hachem, il est cool au tov. Il est que bon. Il est que bien. Maintenant, lui, c'est que du bien. C'est que de la lumière, Hachem. Et il voulait partager de cette lumière-là avec quelque chose qui serait une partie de lui, mais sans être exactement lui. Comme un enfant avec un père. C'est une partie de lui, mais ce n'est pas exactement le père. Alors vous allez me dire, mais s'il est cool au Tov, comment ça se fait qu'au début, quand le monde a été créé, il a été créé complètement obscur. Ce qu'on appelle le Tov Vavou, c'était un monde obscur et désordonné. Bien tout simplement, parce que pour créer le monde, Hachem il a fait ce qu'on appelle le Halal Apanou. Il a dû, à l'intérieur de lui-même, créer un espace avec moins de lumière, voire pas du tout de lumière, ou plutôt de la lumière très cachée, dans de l'obscurité. Comment il a fait ça ? La création de cet espace-là a créé l'obscurité. Parce que c'est quoi l'obscurité ? C'est le rat, c'est le mauvais. C'est quoi le mauvais ? C'est la dissimulation d'Hachem. Maintenant, vous savez c'est quoi le mauvais. Je le dis très clairement, mais on aurait pu poser juste sur cette phrase-là, passer des heures de philosophie. La Torah, ce n'est pas fait pour être de la philosophie,
C'est fait pour savoir sur quoi prier, pour pouvoir demain l'appliquer dans nos vies. Donc sachez que le rat, le mauvais, c'est la dissimulation d'Hachem dans le monde. Quand Hachem il s'est dissimulé à l'intérieur de lui-même, comme je vous ai expliqué que le monde entier, toutes les galaxies, tout ce qui a été créé est à l'intérieur de Dieu, comme un cœur est à l'intérieur d'un homme. C'est pour ça qu'on dit que Hachem il est partout, puisqu'on est à l'intérieur de lui, c'est sûr. C'est comme si tu disais ton cœur, tu n'es pas dans ton cœur, mais c'est sûr, il est en toi, donc toi tu es dans lui. Vous comprenez que, oui, que nous on est à l'intérieur de Dieu, et que Dieu il a créé un espace où il s'est dissimulé pour permettre notre existence, et évidemment le libre arbitre. Cette dissimulation a créé l'obscurité. Donc Hachem, une fois qu'il a bien créé l'obscurité, qu'il y avait le tout va vous, Ruach Elohim al penetérom, elle dit la Torah. Il a soufflé un vent de Dieu sur cette obscurité. C'est quoi ce vent de Dieu, dit Rachamim? C'est quoi ce vent de Dieu? C'est Ruach Shel Mashiach. Le Mashiach est la première chose qui a été dévoilée dans l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire Ruach Shel Mashiach? Cet esprit du Mashiach, c'est tout le bien que le monde allait contenir pour l'éternité jusqu'à la fin du monde. Tout le bien, c'est Mashiach, parce que Mashiach, il va contenir tout le bien. Tout le kulotov, toutes les bonnes choses qui ont été faites dans ce monde, depuis sa création jusqu'à la venue du Mashiach, Mashiach va le contenir à l'intérieur de lui. Il va le dévoiler. Donc c'est ce ruach Elohim al penetérom, ce souffle du Mashiach qui planait sur cette obscurité, qui a permis à Hachem de commencer la création. Comment? En faisant une séparation, à chaque fois un peu plus claire, à chaque fois un peu plus précise, entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière. C'est ainsi qu'il a fait, en séparant l'obscurité et la lumière, en créant les astres, puis en créant les animaux, puis en créant les poissons, puis en créant etc. etc. jusqu'à la création de l'homme. Et l'homme est venu dans ce monde pour compléter, parce qu'il était censé être l'associé de Dieu, il est toujours d'ailleurs, pour compléter cette création. C'est d'ailleurs lui qui a nommé chaque animal en fonction de ce qu'il voyait. Et ainsi, c'est comme ça qu'on les appelle en hébreu, c'est Adam Arishon qui leur a donné les noms. De chaque animal, comment on les appelle en hébreu, Khatoul, parce qu'il a vu cacher ses excréments, il a dit que c'est quelqu'un de pudique, donc il l'a appelé Khatoul, comme on le sait, que c'est une racine hébraïque. Etc, etc. Toute chose a été nommée. Et puis, il y a eu surtout, évidemment, cette confrontation avec le fameux serpent et la femme qui s'est fait avoir, qui a entraîné son mari avec elle. De là, et Hachem qui reproche à Adam d'avoir écouté sa femme. De là, on apprend, pourtant, on voit plus tard, on fait une transgression, on voit plus tard dans la Torah que Hachem dit à Abraham d'écouter Sarah. Quelle est la différence entre les deux? Entre Chava qui a trompé son mari et Sarah qui guide Abraham dans le bon chemin, c'est simplement qu'il y en a une qui a éloigné Hachem de Dieu et l'autre qui l'a rapproché de Dieu. C'est pas un klal d'écouter sa femme ou de pas écouter sa femme, c'est un klal, c'est quoi le conseil qui t'est donné? Est-ce que c'est un conseil qui rapproche de Dieu, qui correspond à la volonté de Dieu, ou c'est un conseil qui t'éloigne de Dieu? Et c'est vrai pour ta femme, c'est vrai pour n'importe quel conseil. Ce qu'on a demandé à Hoshana Rabba, c'est d'avoir des bons conseils cette année. Car toutes les plus grandes catastrophes du monde ont été données parce qu'à l'origine, il y avait un mauvais conseil. C'est vrai lorsque la tribu de Yehuda s'est séparée du reste des tribus. C'est vrai lorsque Avshalom s'est rebellé contre son père, parce qu'il a écouté des mauvais conseils. C'est vrai à chaque problème de la vie. Il y a toujours un conseil, et on espère, et même dans notre propre intérieur, il y a le conseil du Yetzer Hara, le conseil du Yetzer Hatov, et on prie pour pouvoir écouter le conseil du Yetzer Hatov. Pour revenir à la création. Au moment de la création, donc Hachem a dévoilé d'abord l'obscurité, et ensuite, petit à petit, il a dévoilé la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Et le rôle de l'homme, à l'origine, était de dévoiler
complètement cette lumière en respectant le seul ordre qui lui a été donné, qui était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En vérité, comme tout le monde le sait, c'est pas qu'il ne devait pas le manger, c'est juste qu'il devait attendre pour le manger jusqu'à Shabbat. Mais le Samech même, qui s'habille dans le serpent dans cette histoire, a eu raison de l'homme, en sachant que tout ce qui est arrivé a posteriori, c'est parce que c'est Hachem qui le voulait, donc c'était la volonté d'Hachem que ça se passe comme ça. Et il y a eu toutes les conséquences de la faute. Et la vraie faute, qui aurait pu être réparée tout de suite, c'est que Adam Arishon ne connaissait pas la puissance de la Tshuva qui avait été créée avant la Torah. Il a dit, j'ai pas respecté Hachem, c'est fini. Donc quand il lui a dit, où tu es, à Yeka, alors que Adam Arishon aurait pu dire, Hachem, je suis désolé, j'ai fait une bêtise, je m'excuse, je t'ai pas respecté, pardonne-moi. Et l'histoire aurait terminé là, et on aurait tout réparé d'un coup. Il a dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Il a reposé la faute et sur la femme et sur Dieu. Et en faisant ça, on est parti pour des milliers d'années d'exil et de réparation. Parce que Adam Arishon n'a pas pris la responsabilité de son acte et n'a pas demandé pardon. Parce qu'il ne savait pas. Il l'a appris avec son fils Caïn, mais il ne savait pas le pouvoir de la tchouva. Alors nous, on sait le pouvoir de la tchouva. Et qu'est-ce que ça veut, ça, qu'est-ce que ça impacte de dire Khatati, Aviti, Pachati, j'ai fauté, et je reprends de zéro, je recommence de zéro comme si j'avais jamais commencé. Ça, c'est la force de la Tchouva. On a passé Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, maintenant on est dans une nouvelle année, quel que soit ce qui s'est passé l'année dernière, les années précédentes, c'est terminé. On est reparti sur une nouvelle base, sur une base qui est complètement nouvelle. Et donc, on a une nouvelle relation avec Dieu qui peut être totalement parfaite. Parce qu'Hachem, il recrée le monde année par année. Donc c'est une nouvelle année, avec une nouvelle base, avec de nouvelles données. Et Bezrat Hachem avec une nouvelle Torah. Le Bereshit de cette année n'a jamais existé avant. Parce que moi, j'ai jamais existé avant, comme je suis aujourd'hui. Chacun d'entre nous, c'est la même chose. On n'a jamais existé avant comme on est à cet instant. Même quand ça fait 7 ans qu'on fait des shiurim, maintenant 8 ans, j'ai toujours 7 ans, mais on est rendu à 8 maintenant. Même que ça fait 8 ans qu'on fait des shiurim, comme on n'est pas les mêmes, même si ce shiurim, on fait pas les mêmes, mais ça veut dire, même si on l'avait déjà fait, ce sera jamais le même shiurim parce qu'on n'est pas la même personne. C'est pour ça qu'il est bon d'écouter des anciens shiurim, parce que ça, on apprend encore beaucoup, Baruch HaShem. Donc c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Emet ou ikar ki uma olam. La vérité, c'est l'essentiel du maintien du monde. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. Et Dieu, c'est lui qui tient le monde. Il a mis évidemment des tzadikim. Mais c'est parce qu'il dévoile sa vérité. Donc en réalité, tout le mensonge du monde veut cacher la vérité parce qu'il veut s'autodétruire. Il y a une force destructrice du monde. Kadosh Baruch Hu, Kitabar Shemo Laran, il a caché la vérité. Et c'est le rôle de chacun d'entre nous, de la dévoiler dans toute situation. Et à tout instant. Un, c'est dans sa prière, l'autre, c'est dans sa étude de Torah, l'autre, c'est dans son travail, l'autre, c'est dans sa relation avec sa femme, l'autre, c'est dans sa relation avec ses enfants. Et chacun, il va dévoiler la vérité. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que cette vérité, malgré que dans son shoresh, dans sa source, elle est unique, malgré tout, elle se multiplie, elle se démultiplie dans le monde. Parce que la vérité du travail, c'est pas la vérité de la Torah quand on l'étudie, c'est pas la vérité quand on est en chavruta avec telle ou telle personne, c'est pas la vérité quand on est avec sa femme, c'est pas la vérité quand on est avec ses enfants. C'est une vérité différente, un dévoilement de Dieu différent qui se fait. Plus encore, en nous-mêmes, d'une heure à l'autre, le dévoilement de vérité, le point de vérité qu'on doit aller chercher, il est différent.
entre deux personnes encore plus. J'ai l'habitude de dire ce que dit Rabbi Nachman, c'est que le dévoilement de Dieu à chacun est complètement différent. Donc c'est kaviyachol, comme si le Dieu de chacun était différent. Bien sûr que le Dieu est unique, c'est le même Dieu, mais il y a tellement de facettes différentes qui s'adaptent à chacun de ses enfants en fonction de ce qu'il a besoin de connaître de lui, de savoir de lui pour son propre tikkun et pour la réparation du monde entier. Donc en vérité, c'est comme s'il y avait une multiplicité. Mais dans chaque multiplicité, il y a une vérité, une sincérité. Quand c'est dans l'étude de la Torah, c'est rechercher sa volonté. L'étudier véritablement pour lui faire plaisir, pour mieux le servir. Quand c'est dans la prière, c'est une sincérité de parole, de parler avec son cœur, d'être sincère. Quand c'est dans son travail, il y a une sincérité dans le business, dans l'argent, dans la droiture, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir. Quand c'est avec ses enfants, il y a une sincérité d'éducation, de le faire pour le bien de l'enfant et pas pour son égoïsme personnel, de chercher à l'éduquer, à le faire grandir, à le faire évoluer, à le faire, quelles que soient ses capacités qui sont souvent différentes des autres. Quand c'est avec sa femme, il y a une sincérité de communication, il y a une sincérité d'union, que malheureusement de nos jours il est très très difficile d'atteindre. Parce que chacun tire la couverture de son côté, parce que chacun pense qu'à lui, et pense à ses propres sentiments, et à ce qu'il reçoit en lui, et pas au grandissement de l'autre. Quand c'est avec son prochain, la même chose. Il y a une vérité dans chaque situation. Il dit Rabbi Nathan, Hachem, il demande à l'homme juif de dévoiler cette vérité. Parce que c'est ça la lumière du monde. C'est ça la lumière cachée du monde. Et c'est le rôle de l'homme juif de dévoiler cette vérité dans chaque situation, à chaque instant, à chaque moment. Comme ça, il dévoile Dieu dans le monde. Comme ça, il dévoile Dieu dans le monde. Et ne croyez pas qu'il s'agit ici de rester 24 heures sur 24 assis sur une chaise à étudier la Torah. C'est pas vrai. Parce qu'il y a une vérité dans chaque situation et dans chaque endroit du monde. Puisque Dieu, il est dans chaque situation et dans chaque endroit du monde. Donc, si vous comprenez ce que Rabbi Nathan a dit, que la vérité, le Icar, c'est le Chotem, c'est le tampon d'Hachem Yitbarach. Et donc c'est pour ça que c'est écrit Bereshit Bara Elohim, Sofet Tevot, Emet. Il dit, et cette vérité, comment est-ce qu'on l'atteint? Alors on l'atteint par la sincérité de nos actes, que ce soit dans la prière, ou dans l'étude, ou dans la Tzedaka, ou dans chaque mitzvah qu'on fait, il y a un point de sincérité. On ne le fait pas pour qu'on nous regarde, on ne le fait pas parce qu'on a un intérêt personnel. On le fait pour aller chercher véritablement quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Et si on arrive à accomplir ça, alors on dévoile Dieu dans la situation et on fait notre travail. Et cette lumière que Hachem il a dit qu'elle était bonne, parce que vous savez que dans la Torah, dans les 6 premiers jours, c'est écrit « qui tov » à chaque fois. Ouais. Alors le tov, le bon, c'est parce que justement, on a réussi à Hachem, il a dévoilé le bien du monde, la lumière du monde à chaque fois. Et comment il a fait ça? Il a réussi à mettre les choses à leur place. Vous savez, c'est écrit Avraham Baba Yamim, c'est un chidouj du Yanouka. Avraham Baba Yamim, Hachem Berechat Avraham Bakol. À la fin des jours d'Avraham, la Torah elle dit qu'Avraham il est venu avec ses jours, et Hachem, il l'a béni dans tout, Bakol. Alors le Yanouka, il explique pourquoi c'est écrit deux fois Avraham dans le verset. Normalement, ça devrait être écrit Avraham, il est venu avec ses jours, et Hachem l'a béni dans tout. Le Yanouka d'expliquer que Hachem voulait montrer par la répétition du nom Avraham que Avraham avait été vrai du début à la fin de sa vie. Dans chaque jour qu'il a eu, il a été vrai, il a été Avraham, le Avraham qu'il devait être. Et en faisant ça, il a reçu toute la bénédiction que Hachem de toute façon veut donner à chacun d'entre nous. Alors quelle est la raison pour laquelle une personne ne reçoit pas cette bénédiction? C'est parce qu'il n'est pas à la place qu'il devrait être. La bénédiction elle tombe, mais il n'y a personne pour la recevoir.
En fait, le problème de beaucoup de personnes dans ce monde, c'est qu'ils cherchent à être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et qu'ils ne devraient même pas être. Ils cherchent à prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais pendant le temps que la personne elle prend la place ou veut prendre la place de quelqu'un d'autre, eh bien sa bracha, elle, elle la perd parce qu'elle n'est pas à la place qu'elle devrait être. Et la bracha de l'autre qui ne lui appartient pas, elle ne peut pas la récupérer, même si elle est à sa place. Donc finalement, il perd énormément de bracha. C'est pour ça qu'Abraham, lui, il a récupéré toute la bracha qu'il devait recevoir. Et c'est la vérité pour chaque tzaddik. Qu'on a notre place dans le monde. On a notre place lorsqu'on est à l'étude. On a notre place lorsqu'on est à la prière. On a notre place lorsqu'on est avec notre femme. On a notre place lorsqu'on est avec nos enfants. Ça s'appelle la place de père, la place de mari, la place d'étudiant en Torah, la place de celui qui prie. Chacun, il a sa place. Et s'il commence à être un père au moment d'étudier, ou un mari au moment de prier, ou être un businessman au moment d'être avec sa femme, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et il perd la bracha. Alors, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, parce que dans certaines situations, comme avec la femme et les enfants, ça ne dépend pas juste de lui. Parce qu'il y a une situation qui est présente. Il y a la personne en face de lui qui peut ne pas être en correspondance avec ce que lui veut. Comme, ou quelle est sa place. Des fois, là, c'est la personne qui est en face de toi, hein, qui essaie de te mettre dans une place qui n'est pas toi. Parce que ça l'accommode mieux. Et essayer de retrouver ta place, malgré qu'elle ne veut pas te laisser ta place, ça crée beaucoup de conflits et de difficultés à travers lesquelles il faut passer. C'est important d'être à sa place. C'est ce que dit Rabbi Nathan ici. Rabbi Nathan, il dit très simplement que le monde y tient sur la vérité et que le monde, en réalité, il n'est fait que de mensonges. Donc comment on fait ? Eh bien, on dévoile le peu de vérité qui est caché dans le mensonge. Ce qu'on appelle les nitsotsot. C'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. C'est la raison pour laquelle on mange. On sort les nitsotsot, c'est la raison pour laquelle on vit. On dévoile le peu de Dieu qu'il y a dans l'obscurité de ce monde, beaucoup plus importante, l'obscurité beaucoup plus grande que le peu de lumière. Mais la lumière a beaucoup plus de force que la grande obscurité. C'est pour ça que le Zohar est dit, pourquoi le peuple d'Israël est un petit peuple? Pourquoi est-ce que Hachem, le peuple qu'il a choisi, il n'a pas fait des milliards de personnes? Exactement comme la lumière et l'obscurité. L'obscurité est beaucoup plus importante en taille, mais la lumière beaucoup plus efficace et beaucoup plus précieuse aux yeux d'Hachem. Exactement de la même façon, le peuple d'Israël est extrêmement précieux aux yeux de Dieu, mais est extrêmement peu nombreux en taille. Et donc, pour comprendre un peu mieux ce que dit Rabbi Nathan, Kikol Adam Tsarich La'asok B'tikun Abriya. Chaque homme a comme responsabilité de s'occuper de la réparation du monde. Kikol Tsarich Tikun, parce que tout dans ce monde a besoin d'une réparation. Sinon, ce ne serait pas dans ce monde. Parce que même si Hachem il a créé tout le monde, tout a été créé pas parfait. Comme c'est connu, parce que tout a été créé pour que l'homme le rende parfait. Chez Isha Israeli, qui est le peuple, si on parle de l'homme, c'est l'homme d'Israël. Chez Asok Batikun Abriya, qui doit s'occuper de réparer le monde, chaque chose du monde. Pourquoi il doit faire ça? Parce que Hachem, il veut s'associer à lui, lui donner le mérite d'avoir fini le travail. C'est pour ça que tout le monde, il a été créé. Il a été créé imparfait, exprès pour permettre à l'homme de le parfaire. Qui kol abriya begin d'ishto istemodain le kedesh yakiru v'yedo oto itbara, parce que tout le monde entier n'est là que pour permettre de connaître Hachem. Et un homme qui n'yitbonne pas, il ne met pas son esprit dans chaque chose, le temps d'apprécier, de s'émerveiller devant les choses de ce monde que Hachem il a créé, il ne peut pas voir Hachem. Quelqu'un qui
s'émerveille pas devant un coucher de soleil ou un lever de soleil, ou le ciel, ou les étoiles, ou la mer, ou les oiseaux, ou les animaux qui ont été créés. Chaque chose est un vecteur de connaissance d'Hachem. Et chaque fois qu'un homme, il ne s'occupe pas du tikkun du monde, il s'occupe de lui-même, de ses propres désirs, de tout ce qui nous rend fou dans le monde. Alors si c'est le cas, eh bien c'est comme si le monde revenait à son tohu vavohu, à sa désorganisation, comme on le voit aujourd'hui que le monde est complètement fou, qui a été avant que Hachem mette le roi Elohim, donc le roi du Mashiach sur le Pnéthéor. C'est sur ça que ça a été écrit que Hachem n'a pas créé la terre pour qu'elle demeure comme un désert. Il faut qu'elle soit habitée. Chez Olam Meushav, habitée par des hommes, pas par des animaux. Par des hommes qui se comportent comme des hommes. C'est quoi des hommes qui se comportent comme des hommes? C'est des hommes qui connaissent leur créateur, ceux qui l'a créé, et qui voient dans le monde le reflet, entre guillemets, de leur créateur. Et c'est ça ce que compte ici le principe de la Torah et des mitzvot. C'est pour ça que tout a été créé. La mitzvah, elle vient pour t'aider à savoir quoi compléter et comment compléter le monde. La Brit Mila, c'est un des meilleurs exemples. L'homme vient imparfait, il a un prépuce, et la Torah te demande de couper le prépuce d'une certaine façon pour parfaire l'homme dans sa chair. Mais ça, c'est que Dieu qui peut savoir ce qui est parfait et imparfait. Donc Dieu te dit, ça c'est imparfait, si tu enlèves le prépuce, ça devient parfait. Donc fais la mitzvah, rend ça parfait. Mais ça réservé à Israël. Et les gens, quand tu leur dis ça, ils ne comprennent pas. Ils disent, bon, ça doit être parce que c'est hygiénique ou parce qu'il y a une autre raison. Ça n'a rien à voir. C'est une question de perfection. De perfection aux yeux de Dieu. Et celui qui ne connaît pas Dieu, personne ne connaît Dieu, mais c'est-à-dire celui qui ne connaît pas au moins les volontés de Dieu, il ne peut pas comprendre une chose pareille. Donc la Torah, elle est là pour qu'on prie, pour savoir quoi accomplir et accomplir à la fin. La même chose, il donne ici l'exemple des mitzvahs tzitzit, de celui qui fait les tzitzit. Azaï, les fiak, doucha, vatara, vidira, telokuto, idbarar, shemam shir, aledek, doucha, mitzvah tzitzit. Quand un homme, grâce à la mitzvah tzitzit, il arrive à dévoiler Hachem, à comprendre mieux Hachem, kemochen, ou metaken, chelek, mabria, il répare ainsi une partie de la création. Shenircha, kiloa, taotzizera, chelek, mabria, et quand il la répare, c'est comme si lui-même il l'avait créé. Comme c'est écrit sur Abraham Avinu, quand il a fait des guérim, il a fait des convertis, c'est comme s'il lui-même il les avait enfantés. Donc c'est la même chose lorsqu'on répare quelque chose dans ce monde, c'est comme si nous-mêmes on l'avait créé. C'est pour ça que tout le monde entier, il était talouï, il était posé entre guillemets sur le 6 Sivan, qui est le jour de l'acceptation de la Torah. Parce que sans Torah, il n'y a pas de façon de réparer le monde. Avant la Torah, seulement certains tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noach, ont su comment réparer le monde. On leur a dévoilé de façon exceptionnelle parce qu'ils étaient des gens exceptionnels. Mais là, on a donné à un peuple entier la capacité de réparer le monde. Un peuple fait de 600 000 âmes qui ont été réparties dans des millions de personnes parce qu'il y a des chalakim dans les âmes. Et ainsi, on a le scout de pouvoir réparer le monde. Malheureusement, des fois, on n'y arrive pas, on est pris dans le shaker de ce monde. Donc un homme, il doit, pour pouvoir réparer le monde, pour pouvoir faire son travail dans ce monde, chercher la vérité, le point de sincérité dans chaque chose. Et se rappeler, comme on l'a dit plusieurs fois ces derniers temps, que tout doit te ramener à l'unité de Dieu. Il y a un seul Dieu, une seule adresse, une seule source, une seule vérité, c'est la vérité de Dieu. Et tous les livres de Torah ne sont là que pour te faire découvrir des aspects de cette vérité. Et pour te faire appliquer dans le monde des aspects de cette vérité, pour que toi-même tu puisses participer à ce pourquoi tu es venu dans ce monde, c'est-à-dire le Tikkun HaOlam. Voilà, c'est notre premier shiur de l'année.
Bezrat Hashem, Bereshit Bara Elokim, Sofet Tevot, Emet. Chazak u Baruch.